Mais shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal. Nous sommes pratiquement à cette date aujourd'hui du jeudi 10. Jeudi 10, 10 novembre 2016, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie et tout ça. Je bénis le Seigneur pour ma mission, de ce que sa main puissante est sur moi durant toute cette mission au niveau de, n'est-ce pas, au niveau des États-Unis. Je suis dans l'état de Maryland. Voilà, aujourd'hui là, il fait beaucoup froid, hein, ça m'a tapé un peu. Un monsieur qui mangeait des tiquilitis, aux États-Unis, ça le tape un peu. Bon, ça va aller. Nous, là, on a bled, on a la chaleur seulement. On a la chaleur seulement. Ici, là, il fait froid. Hein. Ça a commencé. Mais je suis en train d'aller en campagne. Toi, là, c'est où dans la ville? Rockville. À Rockville. Je suis dans le Maryland. Je pars à Rockville pour la délivrance de ma fille, une de mes filles, une famille spirituelle. Voilà, donc je tenais à faire cette annonce capitale. L'annonce, c'est que je devais recevoir tous les jours, n'est-ce pas, à partir du lundi, du lundi aujourd'hui. Donc aujourd'hui faisait partie, mais je n'ai pas travaillé hier, également aujourd'hui, à compte tenu de la fatigue. Parce que demain, vendredi, nous serons dans l'état de Virginia. Nous serons dans l'état de Virginia à partir de vendredi, demain vendredi, jusqu'au dimanche. Voilà, donc c'est pour cela que je n'ai pas eu l'occasion de vous recevoir. Donc je m'excuse. Je m'excuse, mais c'est une partie remise. C'est reporté au lundi. Maintenant là, compte tenu du fait que tous les week-ends, je suis dans les états. Donc j'ai décidé maintenant de vous recevoir tous les lundis au mardi pour les délivrances individuelles et pour les entretiens individuels et les délivrances individuelles. C'est tous les mardis, n'est-ce pas, du lundi au mardi. Voilà, donc je m'excuse pas de toutes ces personnes qui étaient vraiment venues hier, parce que hier devant la salle, il y avait assez de monde devant la salle d'entretien. Je suis pas venu, parce que bon, j'avais fait déjà de l'annonce à la veille. Bon, puisque d'autres personnes n'ont pas eu le temps d'avoir l'information, on s'excuse. Voilà, nous excusons, mais désormais, retenez une seule chose, c'est que c'est maintenant lundi au mardi. Lundi au mardi, je reçois des gens individuellement pour leur délivrance. Donc retenez très bien, lundi au mardi, c'est dans l'état de Maryland, précisément à Baltimore. C'est Baltimore qui est mon siège, c'est là mon QG. Voilà, donc c'est là que je reçois. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc demain, nous serons à Virginia, par la grâce de Dieu. Voilà, donc il y aura beaucoup de choses. Donc venez à Virginia, vous allez voir que Dieu le Seigneur se manifestera puissamment dans votre vie. Je suis en train de découvrir, vous voyez, le paysage des États-Unis. Nous sommes en pleine campagne. Vous voyez comment c'est beau. Voilà le Maryland. C'est beau aussi le Maryland. Vous voyez, c'est tout super. L'état de Maryland. Nous partons à Rockville. Voilà, Rockville. Ouais, nous partons comme ça à Rockville. Les États-Unis, c'est super. Hein. Ici, là, ils ne construisent pas les maisons. Hein. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais on dit, mais ici, chacun a son pistolet. Donc, si tu t'es amusé, ils vont te montrer qui a mis sur ton papaye. Bon, je vous annonce que Trump a gagné. Hein. Le grand Trump a gagné. Allons seulement. Le Seigneur est fidèle. Ben, que Dieu vous bénisse. Nous battons pour que la diaspora, n'est-ce pas, expérimente, n'est-ce pas, la délivrance. Telle est ma mission ici, le but de ma mission ici dans les États-Unis d'Amérique. Voilà, donc mes différentes croisades sont les week-ends. C'est les week-ends que je pars dans les différents états. Je serai ce week-end-là, par la grâce de Dieu, dans l'état de Maryland, dans l'état de Virginia, demain, jusqu'au dimanche, et la semaine prochaine, je serai dans l'état de Atlanta, et on ira aussi par la grâce de Dieu à Miami, et c'est comme ça tout le temps, et jusqu'au Texas, ben voilà. Et quand je vais revenir la prochaine fois, on aura l'occasion de voir, visiter beaucoup d'états, parce que nous partons de, il faut aller un peu, en fait de pouvoir, pas à pas, pour reçu un peu la mission. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire par la grâce de Dieu. Voilà, donc je reprends encore que, malgré mes voyages dans les différents états, mon siège, c'est Baltimore, c'est l'état de Baltimore, c'est l'état de Maryland et dans la ville de Baltimore. Voilà, donc ceux qui veulent rencontrer individuellement le prophète Crasso, pour les entretiens, bien sûr, les entretiens, je vous montre le paysage, hein. Les entretiens, ceux qui veulent voir les entretiens, qui veulent avoir les entretiens individuels et en même temps délivrance, parce que nous prions pour les gens,
Voilà, vous voyez comment ici, c'est très beau. Super, hein? C'est très très beau. Le froid m'a tapé, mais ça m'a vacciné. On est dedans quand même. On va aller ensemble, le froid. Voilà, donc, par la grâce de Dieu, je m'en vais à Rockville. Voilà, parce qu'ici, quand on dit État, là, c'est-à-dire que c'est comme la Côte d'Ivoire. Il y a 53 États dans les États-Unis. Donc, Maryland, c'est l'État. C'est-à-dire que c'est comme un pays. Maryland, c'est un pays, c'est un État. Voilà, ce sont les États qui sont unis. Voilà. Maryland, c'est un État. C'est comme la Côte d'Ivoire et différentes villes. Donc, Baltimore, c'est une ville. Rockville, c'est une ville. Voilà, donc, il faudrait que je vous explique un peu les choses comme ça. D'autres, ils comprennent parce qu'ils ont déjà fait ici. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut qu'on vous explique. Voilà. Mais l'État de Maryland a son drapeau, hein. Mais le drapeau unique, c'est le drapeau des États-Unis. Sinon, Maryland, c'est un État. Voilà, Maryland, c'est un État avec ses différentes lois. Voilà, Maryland, c'est un État avec ses différentes lois. Et puis aussi, ça fait partie aussi des États-Unis. Mais c'est pour dire que quand on dit État, là, c'est comme la Côte d'Ivoire. C'est comme la Côte d'Ivoire et Baltimore. C'est comme Divo, par exemple, ou Abidjan. Et Rockville, c'est comme peut-être Agboville. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous sommes dans l'État de Maryland. Mais Maryland a des différentes villes. Donc, Baltimore, c'est là-bas que je réside. Voilà, Baltimore. Donc, je pars maintenant. Le chanteur est parti en campagne. Vous voyez comment le paysage est très beau ici. Je pars dans une ville qu'on appelle Rockville. Voilà, pour soutenir une famille, une de mes filles spirituelles, prier pour elle. C'est pour cela que je suis là. Voilà. J'ai reçu l'inspiration de Dieu. Il m'a parlé cette nuit. Je l'ai appelé. Il dit, viens aller faire de la délivrance. Voilà, donc il faut que les gens soient totalement délivrés. On attend de lutter anglais un peu. Hein. Mais là, mais pas trop anglais dans les oreilles. Mais ça va aller au. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Doucement, doucement. J'ai maîtrisé la matière qu'on appelle anglais. Puis je vais vous matraquer ça. Pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Ouais, les gens souffrent ici. Hein. En fait, quand je dis souffrance, ce n'est pas de spirituel. Sinon, l'États-Unis, c'est un endroit où, frère, si tu n'as pas envie de travailler, tu ne vas pas avoir l'argent. Sinon, il y a du travail. Voilà, il y a du travail, ça, il y a du travail, il y a l'argent ici. Ce n'est pas fait de non, il y a l'argent. Ou peut-être que la sorcellerie mine ta vie. C'est les deux options. La sorcellerie qui mine ta vie ou tu n'as pas envie de travailler. Mais si tu n'as pas envie de travailler, ils vont te montrer qu'il faut travailler. C'est le pays où on travaille, où les enfants même. Je vois les enfants de 16 ans qui travaillent, ils se prennent en charge. Ce n'est pas comme chez nous, 40 ans, tu es chez maman encore. Tu demandes à manger Bofloto. Vous voyez la ville. Oui, chez nous, c'est comme ça le bled. Les gens cherchent à manger Bofloto, vous voyez. Tuyage. Le pays est terrible. Hein? Chez nous, là, c'est poussière seulement. C'est poussière seulement. Tu as problème de poumon, tout ça. Tu es typhoïde. C'est quel pays a fait typhoïde seulement, hein? Il y a sinusite seulement. Hein? Il y a sinusite poussière. Vous voyez le pays des gens. Poussière seulement. Hein? Poussière seulement. Méningite. Méningite seulement. Tu aspires poussière, tu dors, tu dormes à poussière dans tes narines. C'est quoi ça? Vous arrivez? Non, j'ai raté le. Ah, t'as raté le truc. Ici, là, ça apparaît qui parle les gens. Hein? C'est pas un enfant, faut aller chez là-bas, là. Le monsieur qui vend Gaba, c'est pas lui. Hein? Faut aller chez Tanti, là. Elle vend placalier pour l'eau. Quand tu finis, là, il y a un charbonnier, là. Voilà, c'est là-bas. Ici, on appelle un GPS. Vous voyez, ça parle seulement. Pour savoir. Elle a loupé. Le GPS dit il faut revenir. Tu t'as mis un GPS là, c'est dans la broue, tu t'en vas. Pays des Blancs, reste tranquille. Non, ils ont fini ça. Vous voyez, il n'y a pas poussière. C'est que chez nous, là, c'est Ménégite seulement. Ménégite. Je suis allé dans un. Ça, c'est village. Hein. C'est village. Hein. Ah, c'est village. C'est village, les gars. C'est village. Ah! Quand ce que Nia de Gribo sera comme ça, Zaroko sera comme ça un jour. Vous voyez, c'est un village. Hein? Ouais, c'est un village. Ouais, félicité, sois béni, ma fille. Reste béni, ma fille. Ouais, Naïn Olivier, l'homme à la limousine. Shalom. Ouais, donc je m'en vais dans un village qu'on appelle Rockville. Ça, mais ça c'est des. Dans une ville plutôt, mais ça, c'est un village. Vous avez vu poussière? Quand tu quittes Divo Palace Zaroko là, vous comprenez ce qui. Ni de Autriche, c'est plus poule. Ici, vous voyez pas, il n'y a pas de nid de poule.
Non, pour nous, là, c'est Italie, c'est plus que poule maintenant, c'est Autriche. Puis nous, là, c'est casse, non. Pays des gens. Mais pour nous, deviendra un jour comme ça. Jésus-Christ est fidèle. Voilà, donc, je réponds encore mes annonces capitales, pour dire que désormais, c'est de lundi au mardi. Je reçois lundi au mardi. Le lundi au mardi, par la grâce de Dieu, c'est lundi au mardi. Et tous les week-ends, par la grâce de Dieu, je serai dans les États. Donc, ce week-end-ci, ce sera dans l'État de Virginia. Voilà, on va y aller là-bas tous. Nous allons prier pour vous, pour votre délivrance, pour vos restaurations. Voilà, pour vos restaurations. Voilà. Donc, c'est village, vous voyez là, village. Là, c'est le code du village. Pour nous, ça empaille. Oh, il n'y a pas de toi, c'est le code du village. Oh. Ah. Ça, c'est l'état de Maryland. Pas Rockville, dans une ville. Baltimore, c'est une ville. Rockville, c'est une ville. Ça, c'est le village qu'on dépasse comme ça. Vous voyez, le paysage, c'est super. Campagne. Voilà, nous sommes en campagne. Vivez un peu ça. N'ayez pas migraine, hein, s'il vous plaît. Évitez d'avoir les migraines. Allez acheter paracétamol. Les blancs, là, chez eux, là, c'est très puissant. Voilà, moi, je crois à l'Afrique. Hein. Je crois que l'Afrique va se réveiller un jour. Voilà, je crois. À cause des sorciers là. C'est à cause des sorciers là. Ils sont anti-développement. Ils mangent son main. Tu as mangé quoi? Ils mangent ses oreilles. Il reste son cœur. Et ils nous emmerdent. Sinon, le pays va devenir comme ça un jour. Je vous montre l'état de Maryland. Comment c'est super. Et dans ça, on ne quitte pas, on va à Divo. Parce qu'on a envie de servir Dieu. Voilà. Nos frères de la diaspora souffrent trop. Il fallait que je vienne ici les soutenir. Je fais un grand chapeau, un grand coucou à Mme Naïn Olivier et Olivier Naïn. Ceux qui ont vraiment organisé ma venue ici. Left turn in 3 km on Bonneville Road. Voilà. Et puis, il y a biche partout ici, hein? Oh, yeah. Il y a biche, hein? Mm-hmm. Si tu manges biche, pardon, hein? Tu es moyen de biche, pardon. Faut pas venir ici. Il y a biche ici. Donc, quoi, il y a vu ça hier. J'étais sur la route. On dit, on prend pas. Mm-hmm. Quand tu coins biche ici, là, faut l'envoyer chez le vétérinaire. Ah! Ah, chez nous, ça peut faire sauce. On peut faire foufou et ça. Soit graines, soit arachide. Gimblé dedans. Mais ici, là, quand biche, tu coins biche, il y a écureuil. Tout cela, on ne touche pas. Quand tu as problème avec écureuil ici, on te met en prison. Même le canard qui traverse la route. Ah. C'est pas vous êtes béo. Sinon, si vous êtes chez nous là-bas, là, vous allez manger biche. Chez nous, on a faim. Chez nous, on a faim. Donc ici, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà. L'état de Maryland. C'est des villages, vous voyez là. C'est des villages. Vous découvrez les villages. Chez nous, nos villages pour arriver là-bas, là. C'est voiture, on appelle rendez-vous. Vous êtes en réunion. C'est bâché. Tu ne l'aimes pas ou tu le regardes. Ça bouge ça ou tu acceptes. Jusqu'à ce que vous arrivez, avant d'arriver là, tu es rouge, on est rouge, on est rouquet. À cause des poussières. À cause des poussières, tu es rouge chez nous au village. Pas l'autre dans ton village, tu es rouge comme poussière, tu descends même. On dit, mais lui là, il est rouquin ou bien. Il a des villages des gens. Oui, par la grâce de Dieu. On a pu communiquer
On a essayé de, par la grâce de Dieu, parler aux gens parce que les gens avaient des soucis. Pour que les gens viennent investir en Afrique. Pour que les gens viennent investir en Afrique, il faut d'abord qu'ils soient en bonne santé. Ça, c'est dans un premier temps. Il faut que les gens soient convaincus parce qu'ils ont une expérience. Vous voyez, les gens de la diaspora ici, ils ont une idée d'arrêter l'Afrique, hein. C'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que ils ont une expérience. Ils sont venus, ils ont construit des maisons, ils ont aidé les parents ici. Et après ça, à leur retour, ils ont eu des problèmes. Ou du moins, ils ont envoyé des parents ici de l'Afrique et les parents leur ont créé tous les problèmes de la sorcellerie. Donc, eux, ils voient la sorcellerie comme, et l'Afrique comme une plateforme où règne la sorcellerie. Je ne dis pas le contraire. Hein. Non, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire de tout ça. C'est vrai. C'est vrai, mais je pense que eux aussi ils n'avaient pas Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas Dieu que la sorcellerie a accès à leur vie. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, de combattre la sorcellerie. L'Afrique n'a pas eu le temps de combattre la. Non, Olivier, je t'ai pas zappé. Hein. C'est mon fils, Olivier Israël. Je vais jamais t'oublier. L'Afrique n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, de pouvoir éradiquer, combattre la sorcellerie. Dans l'histoire des Occidentaux, vous les voyez, ça c'est village, je suis en train de le montrer. Ça c'est village. Ça c'est leur village. Mais ils ont eu le temps, ici, ils ont eu une histoire de la chasse aux sorcières. Ils ont pratiqué la chasse aux sorcières, ils ont combattu la sorcellerie. Voilà, et pendant 3 siècles. Voilà, ils ont. Parce que la Bible dit qu'on ne laisserait pas prospérer la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, c'est difficile, n'est-ce pas, de rentrer, n'est-ce pas, dans les grâces, dans les bénédictions. Donc ils ont combattu la sorcellerie. Bon, voilà, ça va chez eux. Mais l'Afrique, il y a encore la sorcellerie. Et la sorcellerie prospère, justement. Chez nous, en Afrique, quand tu es sorcier, les gens te louent. Les gens te disent merci. Les gens, n'est-ce pas, t'acclament. Parce qu'ils pensent que tu as une force qui effraie les gens. Donc, j'ai reçu à parler avec la diaspora pour échanger avec eux. Je leur ai dit, moi, je suis africain. J'ai fait l'Europe. Et je suis aujourd'hui, il y a un ministère. J'ai été aussi victime de la sorcellerie. Jésus-Christ m'a puissamment délivré. Je suis sur le continent africain. Et je leur ai expliqué que l'Afrique, vous voyez là, c'est vrai que vous avez une autre manière de voir l'Afrique. Mais l'Afrique, vous voyez aujourd'hui, c'est le continent, vous voyez. Oui, je viens à Bordeaux, si tu m'invites, Olivier. Tu m'invites, je viens, je viendrai. J'ai un programme en début de février. Voilà, Olivier, j'ai un programme en début de février sur Paris, sur la France, en Italie. Je viens en Italie, je serai aussi à Lyon, parce que j'aurai un grand programme à Lyon. J'aurai un grand programme aussi à Toulouse. Je viendrai te voir par la grâce de Dieu. Donc, qu'on reste en contact. Je viendrai te voir. Pour Paris d'abord, ça va attendre d'abord Paris. Parce qu'ils m'ont montré beaucoup de couleurs là-bas. Paris va attendre un peu. Il n'arrive pas à respecter les hommes de Dieu. Il faut apprendre à respecter les gens. Voilà. Voilà, donc j'expliquais, j'essaie d'échanger avec la diaspora. Et parce que les gens ont peur de venir. Ils ont peur de venir investir. Je leur ai expliqué l'Afrique. Il y a tellement de bonnes choses là-bas en Afrique. Des opportunités d'affaires. Nous avons tellement de choses à faire en Afrique. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand on commence à investir, on a peur. Parce qu'on s'est dit qu'ils vont détruire. Et ça, c'est pas faux. Ils vont détruire. Donc, j'ai échangé avec la diaspora en leur proposant, n'est-ce pas, le remède contre la sorcellerie. Le remède. Parce qu'il y a un remède. Le remède. Parce que les gens, quand il y a un fléau, il y a toujours un remède. Je leur ai présenté le remède contre la sorcellerie qui n'est que Jésus-Christ. C'est tout. Voilà, ce n'est que Jésus-Christ. Et quand on a Jésus-Christ, on est à l'abri de la sorcellerie. Moi, je suis aujourd'hui témoin de ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai été, moi, musulman, fils de musulman. Voilà, fils de musulman, et c'est la puissance de Jésus-Christ qui m'a délivré. C'est la puissance de Jésus-Christ qui m'a délivré. Aujourd'hui, je prospère par la grâce de Dieu, parce que j'ai Jésus-Christ. Malgré les critiques, malgré que les gens me flèchent, mais j'avance parce que j'ai Jésus-Christ. Mais je ne vois pas, je ne pense pas qu'un sorcier puisse me détruire, parce que je l'acceptais comme sauveur et Seigneur. Le seul problème, c'est ça. Parce que ne venez pas dans le christianisme, dans le but de pouvoir avoir un miracle de Jésus-Christ, et puis lui-même, ça ne vous intéresse pas. J'ai dit aux gens, vous voulez que Jésus vous délivre? Oui, pourquoi? Parce que nous souffrons. Vous souffrez? C'est ça, vous voulez que Jésus vous délivre? Il ne vous délivrera pas. Mais si Jésus-Christ comprend que dans la souffrance, si vous délivre de cette souffrance, que vous êtes prêt à le servir, il vous délivrera parce que c'est un échange. Bien-aimé, quand Jésus te délivre, là, c'est pour le servir. Voilà, c'est pour le servir. C'est pas pour rester là en train de continuer de faire cette vie de merde. Voilà, quand Jésus-Christ te délivre, c'est pour le servir. Donc,
Aujourd'hui, là, si tu veux que Jésus-Christ te délivre, c'est une seule chose, il te délivre et pour le servir. Si tu n'es pas prêt à servir Jésus, il sera difficile qu'il te délivre. Voilà, il sera difficile qu'il te délivre. Donc, je suis là, j'ai reçu par la grâce de Dieu à prier beaucoup pour les bien-aimés. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites par la grâce de Dieu. Les délivrances, nous sommes en train de poursuivre les délivrances. Maintenant, les rencontres individuelles. Maintenant, dans le week-end, nous serons dans les différents états. Dans les différents états, c'est les villages des gens, ça. Nous serons dans les différents états par la grâce de Dieu. Voilà, donc ici, il y a ma base. Donc, nous irons dans les différents états. Donc, je reprends mon annonce. Voilà, donc on a essayé par la grâce de Dieu de prier pour des gens. Il y a eu de fortes communautés camerounaises. Il y a une forte communauté. Cette mec qui est dans la voiture aussi, elle est métissée. Elle est en même temps sénégalaise et en même temps camerounaise. Donc, ce n'est pas uniquement que les Ivoiriens. Il y a eu de la forte communauté des Sénégalais la dernière fois. Une forte communauté des Camerounais. Une forte communauté, n'est-ce pas, des Gabonais, voilà, qui viennent à nos programmes et tout ça. Même les Djoula, les musulmans, nos frères Djoula du Nord. Parce que nous ici, si tu es musulman, ça ne nous empêche pas de prier pour toi. C'est ce qu'il y a aux gens. Moi, tu es musulman, ça ne m'empêche pas. C'est que tu as vu en moi, puis tu es venu là, mon Jésus là. Je vais te le partager, c'est tout. Voilà, je vais te le partager. Je vais te partager Jésus. Voilà, donc voici un peu le village des gens. Nous sommes allés, en train d'aller dans une autre ville qu'on appelle Rockville. Nous avons quitté Baltimore. Voilà, donc nous sommes en train en pleine campagne. Voilà, nous sommes en train de vous montrer le paysage. Comment on est en train de traverser le village des gens, on n'avait pas encore vu poussière. Chez nous, là, il y a poussière. Quand c'était chez nous, là, c'est fini. La voiture était déjà gâtée. La voiture était déjà gâtée de poussière. Le village des gens, ça, c'est le village. Méningite, chez nous, il y a méningite, il y a sinusite. Poussière, l'avion rongé ton cerveau. Tu dors même poussière dans ta chambre. Tu vois la route là même, on dit c'est un nid de poule. Oh, c'est devenu nid d'autruche. Voilà. Vous voyez le pays des gens. Vous voyez leur village. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que l'Afrique renonce à ses dieux. À ses dieux, ces démons. Ces démons qui sont installés dans nos familles. Ces démons qui sont là, logés dans nos familles. Il faut que l'Afrique renonce à ces démons-là. Voilà. Nous devons renoncer à ces démons. Si nous renonçons à ces démons-là, nous allons voir Jésus-Christ nous délivrer. Nous allons voir le Seigneur nous délivrer. Parce que la Bible dit que c'est avec Dieu. Avec Dieu ferait des exploits, il écrasera vos ennemis. C'est Dieu seul qui peut nous délivrer, bien-aimés. Lui seul qui peut nous délivrer la puissance de Jésus-Christ dans ces villages. Voilà. Voilà, donc... On arrivait quand même à parler avec la diaspora. Les gens sont prêts à investir. Hein. J'ai des grandes rencontres avec des personnes, même au Texas. J'ai des grandes rencontres avec une personne encore ce soir à 18h. On a eu quand même le temps de prier pour certaines personnes. Il faut que les gens soient guéris, c'est ça. Nous voulons un résultat et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si les gens sont délivrés effectivement par nos prières, ils iront effectivement investir au pays. Voilà, ils iront investir au pays. Voilà, donc qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de prier pour eux. Et l'église doit s'occuper des gens. C'est ce qu'il dit aux gens. Tu fréquentes une église, le pasteur ne fait que grossir. Il ne prend pas le temps de connaître chez toi à la maison. Il ne prend pas le temps de te rendre visite. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Quand tu fréquentes une église, c'est que Dieu est là-bas. Et si Dieu est là-bas, il faut qu'il y ait la solution de ton problème. Et qu'il faut que l'homme de Dieu se penche sur toi. Et que s'il y a un souci, il faut que ta vie soit délivrée. Si tu n'es pas délivré, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'il y a un problème. On ne fréquente pas une église comme ça. Voilà. Voilà, on ne fréquente pas une église pour dire non, je vais aller à l'église, vous faire plaisir. On ne fait pas l'église pour faire plaisir. Moi, quand on m'a parlé de Jésus-Christ, il fallait que Jésus-Christ se révèle à moi. C'est quand il s'est révélé à moi, je me suis donné véritablement à lui. Hein. Donc, on ne va pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. On va à l'église parce qu'on a envie de marcher avec Jésus-Christ. On a vu que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur personnel. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il faut que l'église... qui est source de grâce, de bénédiction, de restauration. Que cette église-là se mette à l'œuvre, afin de pouvoir œuvrer dans le sens d'aider les fidèles à obtenir leur délivrance. Ce dont les gens attendent aujourd'hui, c'est les témoignages. Ce n'est pas les blabla, je mets dans telle église. Non. Mais oui, je prie le prophète Crasso. Ce n'est pas ça qui est important. Tu pries le prophète. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Voilà, tous ceux qui ont rencontré Jésus, là, leur vie a changé. Il faut que nos témoignages, il faut que nos voisins,
témoigne de la puissance de Dieu lorsque nous sommes dans une église. Lorsque nous sommes dans une église, il faut que nos vies changent. Il faut qu'il y ait la transformation. Donc, il faut que l'homme de Dieu, là, prie pour les fidèles. Il se bat pour ça. Pas pour son ventre. Pas pour son ventre. Il doit se battre pour que ses fidèles soient délivrés. Ses fidèles et leur mari, les fidèles ont dans leur mariage. Les fidèles ont dans leur prospérité. Les fidèles ont dans leur grâce. C'est ça. Parce qu'on ne vient pas en Jésus-Christ lorsqu'on est possédé. Lorsqu'on est délivré, on vient en Jésus-Christ lorsqu'on est possédé. Bien-aimé, on vient avec Jésus qu'on est possédé. C'est vrai qu'on a accepté Jésus-Christ. Mais il y a une étape très importante, c'est la délivrance de notre âme. C'est la délivrance la délivrance de tout ce qui est plus important. Parce qu'on n'est pas délivré. Parce que délivré, ça veut dire délier, détacher quelqu'un. Qu'on n'est pas délivré, c'est qu'on est lié. On est lié à la pauvreté, on est lié à la misère, on est lié aux malédictions ancestrales et ça mine nos vies. C'est cela même quand tu te déplaces de l'Afrique à un autre continent, mais ça te mine. Tu as l'impression que rien ne bouge. Pourtant, tu es dans une sol où tout le monde convoite aujourd'hui. Les gens meurent de la Méditerranée. Ils veulent venir en Europe. Mais le problème, c'est que toi, tu es en Europe ou tu es aux États-Unis, ça n'arrive pas à bouger. Quand tu regardes la vie de tes parents, c'est pareil. Tu as des maladies bizarres. Tu te maries, ça n'arrive pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Nous avons besoin d'être restaurés par Jésus-Christ. Il faut que nous, les hommes de Dieu, nous nous battons pour vous aider. Nous vous battons pour vous aider, pour vous amener dans la restauration. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, nous battons pour vous aider, pour vous amener dans la restauration. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je suis en train de courir ce matin. Il est pratiqué. Quelle heure maintenant, là? Il est 9h30 ici. Hein? Voilà, vous voyez, il est 9h30. C'est pas chez vous, là. Peut-être que vous avez déjà fini de manger pour midi. Nous-mêmes, on n'avait pas encore atteint midi. Ici, là, il est 11h30. Hein? Et 9h30. Voilà. Pour dire, il faut qu'on se batte. C'est ça, je suis en train de courir. Ce matin, le Seigneur m'a parlé, il m'a mis à cœur. Je suis en train, je me lève. C'est pas qu'il y a un an, le prophète, Jean Crasso. Non, non, non. Je me lève de ma chambre, je m'ai aidé les gens. Voilà. Quel prophète Crasso? C'est quoi? Je suis un être humain. Et puis quoi? Miracle, là. C'est l'auteur. C'est Dieu qui est l'auteur. Si Dieu me parle, je sors de ma chambre, je m'en vais. Voilà. J'avais un problème, souci. On devait venir me chercher ma voiture. Pour me faire, il dit non, elle n'a qu'à venir à sa voiture, elle est partie. Alors, elle est courue, c'est ça la mission. Voilà. On est déjà arrivé. Oui, on est arrivé. Voilà, ouais, maintenant c'est Rockville. Voilà, on est arrivé là. Voilà, voici Rockville. Ça, c'est maintenant, c'est une ville. Hein. Approaching left turn. Le quartier. Ça, c'est le quartier. Ça, c'est le quartier. La ville est. Un peu derrière. Okay. On dit quartier. Regardez le quartier des gens. Chez nous, là, tu as migré, tu as fatigué. Quand tu veux rentrer dans nos quartiers, là, de toute façon, hey Dieu, aide-nous. On verse de l'eau partout. Chez nous, là, on verse même de l'eau sur ta voiture. Aucune éducation. La femme, même, défait sur la route. Il joue la musique partout. Ici, là, tu as fait ça, tu vas en prison. Tu es d'accord avec ça? Chez nous, on joue la musique. Et puis, quand ils ont dit, mais chez toi, il y a la musique. Toi, tu as migraine. On me faisait là-bas chez moi en Grèce. You have arrived. 17000. Joue musicien, tu demandes, mais c'est pas chez toi. Ferme tes oreilles puis tu dors. Bon, on vient d'arriver. Où est le GPS? On appelle ça GPS. Ça parle, hein. On vient d'arriver au. Voilà, donc, c'est un programme qui est tellement privé. Je tenais à vous donner des